J'ai pleuré surtout parce que je me disais, moi je vais mourir là, je vais mourir de ce cancer-là, puis je serai pas capable d'arrêter de fumer. Il y a 15% des gens qui vont survivre au cancer du poumon après 5 ans. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que ça a été détecté très tôt. C'est ce qui fait que je suis avec vous aujourd'hui. Moi, j'ai commencé à fumer à 12 ans. Et j'ai jamais réussi à arrêter de fumer jusqu'à ce que j'ai un verdict de cancer du poumon. Et quand j'ai eu mon verdict de cancer, je me disais, bon, c'est de ta faute, t'as fumé. Et après ça, j'ai appris que les compagnies de tabac savaient. Ces compagnies avaient déjà réalisé des études. Ils savaient que quand elles avaient un adolescent qui devenait accro, qu'elles avaient un client, à la vie, à la mort. Parce que l'industrie du tabac est toujours un pas devant. Ils ont fabriqué des cigarettes avec des saveurs de chocolat, des saveurs de fraises, de limonade. Et ça, c'est pour attirer les jeunes. Le tabac est évidemment la première cause du cancer du poumon. Et c'est le cancer qui est le plus meurtrier, mais de tous les cancers. Les compagnies de tabac ont tellement d'armes, tellement de ressources, que des fois, on a l'impression que c'est une cause perdue. Ça doit être une lutte de société, ça doit être un enjeu de société. Si personne ne se lève, si on ne se bat pas, il n'y a rien qui va se faire. Je suis l'exemple vivant de tout ce qu'on ne veut pas que nos enfants vivent. Alors j'essaie le plus possible, avec la Société canadienne du cancer, d'aider puis de remettre, parce que moi j'ai été épargnée jusqu'à présent. Et c'est un immense cadeau de la vie, ça.